pick where you break down. But this is an interesting spot. Après à peu près 210 km depuis, il en reste 344. Je présume que c'est au Wuhan Kuei, que c'est soit écrit en chinois, soit écrit en arabe. Qu'on parle ni l'arabe ni le chinois, c'est un peu compliqué. The Lake Seram, the 35 k's uphill, uphill, fucking uphill, and headwind to finish. Yeah. Of course, yeah, why not? Would that be too easy? It took us like an hour and a half, 1.5 hours to do the 35 k. Yeah, no problem. Easy cruising, 6 hours. Волга и забор. Делай есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын траву. Video to show you where we are. It's a beautiful campsite. It's gonna be a pain in the ass tomorrow to climb the bloody hill. We can't see it right now because there's no car passing by. Apparently the guy told us that it was all the way downhill. You're a liar. You're a liar. It's not downhill at all. It's quite a bit about this. Gros problème hier, je me suis fait voler mon sac avec mon passeport, mes papiers, et avec ma carte de crédit, mon téléphone, ma GoPro, il y avait tout dans le sac. Donc je suis allé chez les flics et après, 2 heures après ils ont retrouvé les mecs qui m'ont piqué mon sac. Et après c'était l'embrouille, ils m'ont demandé des sous, ils m'ont demandé 200$ pour récupérer mon passeport. Après ils m'ont fait signer des papiers, ils m'ont fait remplir des papiers, ils m'ont emmené à plus de 100 km de Saritash pour je sais pas quoi. Je suis rentré ce matin à 1h30 et on est parti ce matin et les flics étaient encore là pour que je remplisse d'autres papiers, apparemment sûrement me redemander des thunes. Ok, on est officiellement au Tadjikistan, on a passé le poste frontière, ils ont fait payer 40 sommes, donc ça fait à peu près 5,50€. Pour un truc de désinfection des vélos, alors que on retourne dans la boue et dans le machin, ça ne sert à rien du tout. Okay, today is Sunday the 5th and we just arrived in Tajikistan.
and we just behind the wall to protect ourselves of the wind. Nick is cooking a beautiful meal. What you see? Culinary delight. Yeah. They just never stop. It's just an instant pasta, by the way. So this is the view we have from our campsite. It's pretty amazing. It's beautiful. And tomorrow we're gonna try to go to the lake. And in a few days we will be in Morgab. This is where men come in. There's no bloody sign telling you that you're at 4600 meters. Maybe there's one down there. Okay, ladies and gentlemen, we are at the top of the Aktobakal Pass, 4655 meters straight up, and we're sitting on top of it on our wee bunny bikes. I'm here with Steve, who's from Cycling 6. He's cycled six continents just casually, you know, because that's what you do. This is the highest point of the Pamir Highway, the M41. And there it is. I'm not sure if you can read that, but that says 4661. It's apparently 4655, but you know, we'll go with the 4661 because it sounds more impressive.